Salut tout le monde, c'est Sison. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un spécial combat de dinosaures. Tu vas voir, ça va être un truc de malade. Je t'en dis pas plus, allez c'est parti. Donc bien sûr tu l'auras deviné, on se retrouve sur Jurassic World Evolution. Et on se retrouve sur l'île de Isla Nublar. Sur cette île, tu peux faire ce que tu veux car tu as des fonds illimités. Comme tu peux le voir d'ailleurs en bas de l'écran, c'est un truc de malade. Donc je vais faire de cette île un immense champ de bataille. Tu vas voir, ça va être terrible. Mais pour ça il faut d'abord faire le grand nettoyage. Allez c'est parti. Ok, les arbres, c'est fait. Maintenant, il faut rendre le terrain parfaitement plat. Je veux pas de rivière, je veux pas de lac, je veux pas de crevasses ni de montagnes. Je veux un terrain de golf. Donc, on va aplatir tout ça. Il y avait des bâtiments préinstallés. Ceux-là aussi, je vais les dégager. Ok, donc maintenant, on a un terrain, comme tu peux le voir, parfaitement plat. Là, on va pouvoir se lancer dans la fabrication du ring. Ouais, je vais appeler ça le ring. Allez, c'est parti. Le ring est terminé avec 26 labos. Chacun de ces labos peut créer 4 dinosaures. Donc si tu fais le calcul, ça fait 104 dinosaures qui peuvent se f***re sur la c***. Tu vas voir, ça va être un combat magnifique. On va tout de suite passer au principal, la création du dinosaure. On va créer 104 T-Rex. Les dinosaures commencent à être prêts un après l'autre. Ça fait vraiment flipper de se dire, tiens, il y a 104 T-Rex qui vont se retrouver sur le terrain. Bien sûr, j'ai aussi mis des petites chèvres. J'aimerais vraiment pas être à leur place parce que là, dans quelques minutes, ça va vraiment chauffer de partout, là. Le cauchemar peut commencer. Le dernier T-Rex a été libéré, les combats vont pouvoir commencer. D'ailleurs, je crois que ça a déjà commencé. Ah, il y a une chèvre qui vient de passer à la trappe. Pour l'instant, pas encore de victime, mais t'inquiète, ça devrait pas tarder. Ah bah voilà, il commence déjà à se foutre sur la gueule. Il y a déjà 2 dinosaures qui sont en galère de santé. Je ne vais pas monter la santé des dinosaures à part s'ils tombent malades. Là, je vais les soigner car il est hors de question que les dinosaures tombent malades. Ah, je vois qu'il y a déjà des T-Rex qui essaient de se faire la malle. C'est pas grave, s'il y en a qui sortent de l'enclos, il n'y a pas de visiteurs. Aucun accident ne peut se produire en dehors de l'enclos. Ah merde, il y a déjà un dinosaure malade. Bon bah il va falloir que je le traite rapidement parce que sinon ça va me faire une chier de dinosaures complètement malades. Comme j'aimerais pas me retrouver en plein milieu là. Ah, déjà 2 dinosaures malades, faut vraiment que je m'active car la maladie se propage rapidement pour l'instant. On n'a pas encore eu de mort. C'est d'ailleurs sur... Ah bah tiens, il suffit de le dire et boum, déjà un dinosaure mort. J'espère que ce n'était pas la maladie qui l'a tué. On va tout de suite vérifier. Non, est mort au combat. Ça va. Ouh, d'un coup, les dinosaures commencent à mourir un après l'autre. On va essayer de tous les soigner pour que les combats puissent reprendre de plus belle. Mais franchement, rouler avec une Jeep en plein milieu de ce carnage, regarde ça, c'est impressionnant. Alors déjà, quand on a un au cul, c'est chaud. Mais alors là, quand d'en avoir tout... Waouh, mais je suis ballotté dans tous les sens. Franchement, faudrait être suicidaire pour se promener en plein milieu d'un champ de T-Rex. J'en oublie carrément de soigner les dinosaures. On va se lancer dans un petit concours. J'ai 104 dinosaures. Dis-moi quel dinosaure terminera le dernier, le grand champion. Donc celui-là, c'est le T-Rex 101. Celui-là, c'est le T-Rex 8 et le T-Rex 100. À ton avis, quel T-Rex restera le dernier? Car comme tu le sais, il ne peut en rester qu'un. Moi, personnellement, je pense que le T-Rex 58 sera le grand gagnant. Donc là, t'as le T-Rex 8 et 9 qui se font la malle. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel dinosaure va gagner et ton dinosaure, combien de victimes va-t-il faire? Personnellement, moi, je dis que mon dinosaure, j'ai dit quoi, le 58? Ah, je suis plus sûr maintenant. J'en ai totalement oublié de soigner les dinosaures. Oui, tu pourrais bouger, s'il te plaît. J'essaie de soigner ton pote. Faut aussi que j'envisage de dégager les dinosaures morts. Non, mais c'est pas possible, mais j'ai pas réussi à le soigner. Wouah, la chèvre! Elle est aussi forte qu'un T-Rex! Salut! Oh!
Alors ça c'était un de ces tirs de sniper, mais un truc de malade quoi, le dinosaure il est à l'autre bout de l'enclos. Ok, donc je regarde tous les dinosaures qui restent encore en vie, donc le 50T1 est encore en vie, et celui-là c'est le numéro 104, et il a fait 4 victimes. Bon, le 99 va-t-il réussir à gagner alors qu'il lui reste encore très peu de santé? Là je le sens chaud, lui je le sens chaud, vas-y défonce-le. Vas-y mec, mais où tu vas? Bon ben, je crois qu'ils sont tous morts. Ah, j'ai laissé la manette 20 minutes, je suis revenu et il n'en reste plus qu'un. Qui est malade d'ailleurs, je vais le soigner. C'est le 103, donc voilà, si jamais tu avais dit 103 dans les commentaires, félicitations, tu as gagné. Il a fait 7 kills. Enfin bref, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, surtout t'abonner. N'oublie pas de cocher la cloche de notification qui te permet de ne plus rater aucune vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, moi je te dis joue bien. Ciao, ciao.